Namasté. Parlons aujourd'hui du conflit qui existe dans notre société. C'est le conflit entre l'argent et la spiritualité. C'est un thème très intéressant et les gens n'aiment pas en parler. Je reçois chaque semaine beaucoup de questions à propos de ça, car, par exemple, il y a peu, j'ai fait un séminaire pour femmes aux États-Unis. Pour 20 femmes. Elles étaient toutes très heureuses de recevoir et sentir l'énergie divine féminine. Et ensuite, quelqu'un m'a demandé, « Pourquoi paye-t-on pour ça ? C'est la spiritualité, ça devrait être gratuit, ce n'est pas honnête. » Au fond, je ne sais pas pourquoi on pense que la spiritualité devrait être gratuite. Vous savez, l'échange d'énergie, la loi cosmique que nous ne pouvons rien recevoir sans donner en échange. Si nous ne créons pas un espace pour recevoir quelque chose de nouveau, et c'est normal, si vous voulez acheter une nouvelle voiture, de la nourriture, vous allez l'acheter. Vous donnez de l'énergie matérielle et recevez de l'énergie alimentaire. Tout est énergie et nous l'échangeons. La dénomination n'a pas d'importance. Énergie monétaire, matérielle, spirituelle. Mais l'énergie spirituelle a des fréquences vibratoires complètement différentes. Et je sais que, au plus il y a de femmes à mes stages, au plus certains étudiants essayeront de voler la connaissance. Car cette connaissance, venant d'anciennes traditions sibériennes, est très très spéciale et très sacrée. Ok, je connais leurs pensées et je les vois. Je les accepte, car ils ont aussi besoin d'aide. Mais je n'aime pas cela, quand quelqu'un essaye de manipuler, écrire des articles négatifs sur moi ou me pose des questions provocatrices. Ça peut être la compétition, qui a peur que certains étudiants viennent à mes stages plutôt qu'aux leurs. Mais ce n'est pas juste. Pensons plutôt à ce que nous allons faire ensemble. Il est peut-être plus efficace de faire des festivals ensemble et collaborer. Comme ça, nous aiderons beaucoup plus de gens. Pensons maintenant à si on veut aider les gens. De combien d'argent a-t-on besoin? Par exemple, si on veut publier un livre avec du contenu spirituel et le traduire en plusieurs langues, il y a peu, j'ai décidé de calculer et j'ai ensuite compris que c'était très, très difficile et cher de vraiment aider les gens. Afin de réaliser votre prédestination, votre mission en aidant les autres, car il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour publier le livre, payer les traducteurs, organiser les papiers, collaborer avec des organismes qui aident les enfants et femmes, etc., etc. Je me souviens de ce qu'une étudiante m'a dit. C'est une femme de 45 ans. Diana, pourquoi, avant le séminaire, tu n'expliques pas que tout ce que tu fais est en tant que charité, que tu ne reçois pas un dollar pour toi? Et c'est la vérité, et c'est marrant. Quand je reçois des articles ou certains messages demandant « Pourquoi demander de l'argent ? Je n'ai pas besoin de cet argent, ce karma. Cet argent est sale et dangereux. C'est pour cela que je préfère acheminer cette énergie, ce karma, ces maladies, problèmes, agressions. Car à travers cet échange d'argent, son karma est guéri et purifié. Je n'ai pas besoin de cet argent, car durant des années, j'ai accompli tout ce que je pouvais accomplir dans le monde social. J'ai créé 3 business, plusieurs associations, et n'ai jamais eu de problème d'argent dans cette vie. J'ai eu assez de succès en tant que femme d'affaires, et j'espère que chaque personne adhère au fait que j'ai le droit de faire mes propres choix.
mon droit, mon choix, était de laisser tomber toutes ces choses sociales, de business et ces faux buts de la société et accomplir ma propre prédestinée. Je n'ai pas besoin de tout cet argent, mais seulement le nécessaire pour vous aider. Nous devons organiser beaucoup de séminaires et expéditions pour aider les enfants et les personnes âgées. C'est très coûteux. Et mon discours est que l'argent que vous amenez au séminaire aide beaucoup de gens. Pensez à cela. En cela, vous aidez déjà à nettoyer le karma de la planète entière et de l'humanité.